Oh oui! Ça se fait, ça se fait. Oh putain, l'ours! Ouais, comment je vais faire vu que j'ai plus de balles? Ouais, mais laisse-moi tranquille, toi. Oh, mais une course, l'enfoiré! Mais grimpe! Grimpe! Mais grimpe! Il est fou cet ours! Ouf! Oh, il est ouf! Oh. Je crois qu'il allait mordre les fesses le machin! Enfoiré! Putain de merde! Presque plein. Ça arrive. Donne-moi ta peau. Ah, munitions, merci. C'est un peu risqué là, non? Ah non, ça passe. Je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qu'on a de tout? Seringue. Un truc bidule. Bon, avançons, avançons. Ah, j'ai vu dans des vidéos qu'il y a... Parce que du coup, il n'y a plus de requins. Mon garçon, tu es occupé. Mais... Ne te dérange pas, surtout. Fantastique. Tu es d'une patience sans limite. Écoute, sans rancune, hein, pour les raviolis au crabe, je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais tu seras heureux d'apprendre que j'ai fait exécuter le chef pour son incompétence. Ah, sympa. Où est la famille qui a été massacrée? Enfin, quoi qu'il en soit, la prochaine fois, je peux te promettre que ce sera un cran au-dessus. C'est la dernière fois que j'enlève un animateur d'émission de cuisine. Ouais, donc je disais, du coup, il n'y a plus de requins. Mais ils ont remplacé ça par des gros poissons avec des dents là, serrées comme des lames de rasoir, le truc là. Je crois que c'est des poissons démons, ça s'appelle. Et c'est horrible comme bestiole. Bah, du coup, je sais pas si je préfère pas les requins en fait. Et pourquoi j'ai eu un truc genre abattage de peau? Abattage propre peau x2. Cool. Quoi ça capbute en plein? Ah. Trop cool. Ah, on peut créer les trucs comme ça, c'est trop bien.
Et c'est quoi la monnaie du coup? C'est des roupies? C'est des... Du coup, qu'est-ce que je jette, moi? Histoire que je puisse dépecer tranquillement. Eh oui. Oh, le bouquetin. Le bouquetin. Je t'ai eu, le bouquetin. Tu m'as pris pour qui? Ah oui, donc là, c'est le passage où il faut pas tomber. Ok, ça marche. Au KLM, comme on dit chez nous. Voilà. Eh oui, Pélo. On marche sur des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres. Des d'arbres, 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 d'arbres. Lourd, lourd. Quoi, quoi? Tu vas en ma bite? Quoi? Ah d'accord, ça marche. Cimer. Bah monte. Sympa. C'est un honneur de te rencontrer, fils de Mohan. Mais arrêtez de m'appeler tous Mohan là. Ah, salope. Putain que c'est beau. Ah, falloir monter en tour, comme dans Assassin's Creed. Ils aiment bien ça chez Ubisoft, les tours de synchronisation. C'est quoi ce truc? Ok. Je m'avance sur des trucs qui servent à rien, j'aime bien. Ah, des munitions! Oui! Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Tu es le fils de Mohan Gael. Particulièrement pour le Sentier d'Or. Tu penses que ces militaires me cherchent encore? Bagan Min fera tout ce qu'il peut pour te récupérer. Merde. Faut se battre. T'es pas un sniper. Les voilà. Tiens ton Moi avec les grenades ça fait deux con, clairement. J'y vais. Ok, ça marche. T'es vraiment increvable, mon frère. Merci. C'est préférable, non?
mec qui survit à une avalanche quand même. Enfin, moi je veux pas dire, mais il y a respect quand même. Voilà quoi. Bon, c'est un peu long ces chargements là, hein. Je veux pas dire, mais voilà. Hein. En plus, j'ai faim. Comment t'as su où j'étais? On a vu l'hélicoptère de Pagan. Il ne vient jamais aussi loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan. Bon. Voilà. Bienvenue à Banapur. Banapur. Foyer du Sentier d'Or. Sympathique. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Je te présentais Jegail, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes ça? Bah merci, Rétan. Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. Elle est mignonne, quand même. On n'a pas le temps d'aider les touristes. C'est toi la touriste, grosse vache. Qu'est-ce que je fasse? Que je le laisse là-bas? Salope. Elle est sympathique, celle-là. Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible. Je vais lui parler. Et pour Lakshmana, on dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. D'accord. Sors, respire. Bon, bon, on va respirer. Ça marche. Reviens voir quand tu seras prêt. Ok, ça roule. Je vais faire un petit tour. Je vais aller acheter des pastèques. Et à dire bonjour au macaque. Banapur. En fait, moi j'ai roulé là-bas. Hein. Je veux rien avoir à faire avec Pagan Min et ses soldats. Salut. Qu'on me foute la paix. Salut. Salut. J'en peux plus de lui. La prochaine fois que j'entends son nom, il y a intérêt qu'il soit suivi de « est mort ». Est mort. Mon mari adore coudre. Il faisait des vêtements pour toute la famille avant. Maintenant, il fabrique des uniformes pour le sentier. D'après Sabal, je ne devrais pas faire ça. Je t'apprends simplement à te protéger. Ah, le touriste. Ah, la gitane. Je m'appelle Amita. Elle, c'est Badra. Salut. Continue. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. Ah, merci. C'est la guerre. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Kanan, mais elle est vieille et a besoin d'aide pour se protéger des animaux sauvages. Je veux que tu rapportes les peaux intactes, alors prends ça. Badra. Mais oh, un arc, direct. Applique-toi. Et c'est encore. Sympa, merci. Bon, on va se faire ça alors. Ouais, mais c'est grave loin. Ouais. Pour tirer, accélérer, B pour le frein à main, pour monter, descendre. Lancer. On peut mettre la conduite auto. Ah, c'est bon ça. Plutôt pratique. Comme ça, je peux manger en même temps. C'est bien. Ouais, sauf quand il y a des arbres, forcément c'est pas le top. Allez, allez. Non, non. Mais c'est nul. C'est plus du derche.
Oh, sympa. Bah oui, on peut pas s'accrocher. Oh, c'est la merde ce truc. Ou alors attends, du coup, faut aller plus vers le haut. Putain, mais c'est dur avec le joystick. Fonce. Non. Wow, cette esquive. Allez, tu peux le faire. Allez, mais t'es nul. Mais c'est quoi ce vieux quad de merde? Ah! Là on est bon. Des trucs! Ouais, bien joué, j'en ai écrasé aucun. Mais genre! Allez, bouffe! Mais quoi, sac à butin plein? Mais je t'emmerde! Ah, ça chie ce truc! En plus, je peux rien confectionner, quoi. Collection, sac à butin. Voilà. Dans la ferme. Ah mais il me saoule lui. C'est la merde en fait ce truc. Confection. Sac de munitions. Parfait. Putain, deux trucs déjà. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Ok, j'ai pas compris. Moulin à prière. Ma foi. Ah, select. Ah, mais j'ai gagné un truc là. Compétence. Cool. Lorsque vous déplacez un corps, le véhicule subit moins de dégâts. Une liste d'objets de valeur et vous permet de... Ah, plus de vie. Parfait. Ça, c'est ce qu'il me faut. La vie, c'est essentiel. Toi, tu te calmes. Film en 3D. Très bien. C'est quoi, c'est un dingo? C'est un loup, ça? C'est quoi? Un loup tibétain.
En fait, c'est la même conduite que dans Halo avec les Warthog. En fait. Merde. Salut. C'est Amita qui m'envoie. Elle dit que vous auriez des problèmes avec des animaux. Eh ben dis donc. Et grand-mère, je te cause. Amita, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis censé faire ici. Ah, les loups rôdent souvent près de la ferme de Canaan. Elle en a tué un certain nombre, mais ils sont très agressifs cette année, et je m'inquiète pour elle. Ils ont une tanière dans le coin. Détruis-la. Je crois que Canaan range du matériel quelque part dans sa ferme. Tu peux te servir. Au fait, EJ, dépêche les bêtes. On a toujours besoin de peau. Ok, ça marche. Des loups, donc. Est-ce qu'on le tente? Wouhou! Bah ben, remonte par contre. Un peu morte. Un autre loup. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que je tire là-dedans? Ça va pas. Au moins, bon, c'est détruit, quoi. Bon bah c'est parfait. Allez, on se casse. Ah, je crois que j'écrase un autre loup. Non mais... Faut vraiment que je m'y fasse à ce putain de quad de merde. J'arrive pas à conduire. Ouais, saute! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Y'a rien, y'a rien. On a rien eu, on a rien eu. Wesh. Hey, Badra. Tu vas bien? Oui. D'accord. Je vous apporte ces peaux, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Mmh. Elles sont belles, AJ. Mais garde-les. Elle en a assez pour ses tableaux de Tanka.
Pardon ? Ok, ça marche. Des tankas ? Celle-là parle de la vie d'un gourou. Ça, c'est le démon Yalung. Celle-là parle de la déesse Kira. Et celle-là parle de Badra. La prochaine, Tarun Matara. Sympathique. La Tarun Matara est une déesse vivante, d'après ce que dit Sabal. C'est pas une vie pour une gamine. Être traitée comme un objet, une chose. Merci pour ton aide. Plus tard, on te montrera comment les utiliser. Sympa, merci. T'es gentil. La tanière des loups. Bon bah écoutez les gens, moi je me suis super bien éclaté. Sur ce, je vais vous laisser pour cette session. On se retrouvera pour la suivante. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.